Alors, il est dans l'art un point de perfection comme de bonté ou de maturité dans la nature. Qui le sent a le goût parfait, qui ne le sent point a le goût défectueux. Il y a donc un bon et un mauvais goût, et l'on discute des goûts avec fondement. Je suis retraité, ça se voit. Sinon, j'ai fait plusieurs métiers pour en arriver là, mais il y a quand même un pointillé, un invariant dans toutes les activités que j'ai eues, c'est que elles ont tout un rapport avec sinon l'enseignement stricto sensu, avec la transmission, disons. D'abord, je suis prof de formation, je suis professeur de philosophie, et j'ai enseigné pendant un peu plus de 11 ans. Aussi bien en région parisienne qu'au sud du Sahara et un petit peu dans la Drôme. Et puis après, j'ai pantouflé, comme on dit dans les milieux, j'ai quitté l'éducation nationale pour entrer chez un éditeur assez connu puisqu'il s'agissait d'Hachette, mais c'est une filière qui ne s'occupait que des livres scolaires à destination des pays où le français est langue administrative, si vous voulez, pays francophones. Donc c'était la conception d'ouvrages pédagogiques. Puis ça me faisait un petit peu trop voyager. J'ai royalement démissionné de l'éducation nationale, à laquelle j'étais très attaché, pour cette fois enseigner. Mais la musique a toujours été un peu ma troisième main. Titre amateur, dans un cadre institutionnel, puisque c'était une école, un centre de formation et de promotion musicale, pour être précis, financé par l'Union européenne, oserais-je le dire, au sud du Sahara, au Niger, dans un des pays les plus pauvres du monde. Voilà. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, toutes mes activités sont quand même liées à la transmission. Et quand je travaillais pour Hachette, c'était un éditeur. Éditer les ouvrages scolaires, une filiale qui ne s'occupe que d'ouvrages scolaires. Donc voilà, c'est la constante de mon parcours, c'est quand même la transmission, en espérant toujours qu'on ne transmet pas trop de bêtises et de contre-vérités. Voilà. Oui, c'est ce qu'on dit. Non, non, mais j'aime pas trop le mot spécialiste, je veux pas faire le coquet, mais je veux dire, d'abord, je suis pas un spécialiste au sens strictement académique, je veux dire, il y en a qui passent leur vie et qui sont incollables sur la lettre, ou sont envoyés à sa grand-mère, je sais n'importe quoi, à 12 ans, tout ça, bon, j'en suis pas là. Mais par contre, c'est vrai que ma relation à Rousseau reste un invariant, depuis, j'ose pas dire combien d'années maintenant. Puis des mes études secondaires en fait, et que je le trouve plus d'actualité que jamais, et surtout que Rousseau, qu'on le critique ou qu'on s'en réclame, se positionne à un moment où notre monde commence à apparaître tout simplement. C'est pour ça que c'est quelque chose d'incontournable pour parler comme les journalistes dans la référence à Rousseau, parce que c'est le moment où il apparaît que vont se produire les trois grands craquements qui font ce que nous sommes devenus, la révolution industrielle anglaise, la révolution politique française, et cette révolution anthropologique qu'est le romantisme naissant, dont nous ne sommes pas sortis, à mon avis. Voilà, grosso modo. Oui, j'ai eu alors cette chance, hein, qui est due à hasard, y a-t-il un hasard? C'était au Quartier Latin, je faisais mes études, donc c'est pas tout à fait un hasard qu'il y ait des rencontres à ce niveau-là, à cet endroit-là, à cette époque-là, parce que maintenant il y a plutôt de la bouffe et de la fringue que des études sur le boulevard Saint-Germain. Mais c'était par hasard dans un café qui s'appelle le Hall Névi, ça a été raconté dans l'ouvrage de François de Négroni avec Bouscard, qui est un très beaux éléments de biographie. Et on ne s'est pratiquement plus quitté dans notre premier contact, et pour moi c'est une. C'était une relation décisive parce qu'il a beau dire dans le capitalisme de la séduction qui a été de tous ses ouvrages, avec quelques gros tirages, il a eu la gentillesse de me dédier l'ouvrage
en disant à Dominique Pagani, à qui ce livre doit beaucoup, mais là, il ne se rend pas justice parce que je lui dois infiniment plus que le peu qu'il me doit. Et il avait une expérience d'abord de la du prolétariat français, de la classe ouvrière, qu'avec ma jeunesse outre-mer, je connaissais mal, si vous voulez, très mal, quand j'étais adolescent. Et alors que moi, inversement, je lui apportais quelques éléments de la culture bourgeoise, en particulier au niveau musical, dont il relate quelques éléments dans le grand chapitre consacré à la sono dans le capitalisme de la séduction. Mais c'est une rencontre irremplacée. Ah, vous me prenez à chaud sur les sujets, à chaud. Au départ, une grève à la SNCF, quoi de plus, j'allais dire, trivial au sens que les mathématiciens donnent à ce terme, pas au sens de vulgaire, c'est-à-dire de statistiquement banal, une grève. Bon. Et voilà que tout d'un coup, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, c'est scandaleux. Comment en grève? Comment? 9 jours? Mais, on a vu des grèves qui ont duré 3 mois. Enfin, on a tous connu ça dans l'histoire de France. Et souvent, c'est lié aux moments les plus glorieux de notre histoire. Je crois que tous ceux qui râlent contre les grèves, y compris les cadres, les patrons, sont attachés à leur congé payé qu'on doit aux grévistes de 36 et qui étaient en grève beaucoup plus longtemps, ne crachons pas dans la soupe, n'est-ce pas, que nos cheminots. Donc je commence déjà à réagir contre la médiatisation de ce mouvement social qui par ailleurs est important. Parce que il faut tout de même rappeler que nous vivons une période, là je n'exprime pas d'opinion, pour l'instant je ne fais que citer des statistiques que chacun peut controuver, infirmer ou confirmer. Savoir qu'il n'y a jamais eu aussi peu d'heures de grève dans notre pays depuis bien longtemps. Hein. Tous les employeurs le savent. J'en profite pour rappeler que le record de l'année qui voit le record d'heures grevées, si je puis me permettre ce barbarisme, dans notre histoire, c'est 1967. Année dont on ne parle jamais parce qu'il y a comme ça une année juste après qui lui fait un peu souvenir écran, comme on dirait du côté de la psychanalyse. On a l'impression que tout commence à 68 et donc ça occulte un peu. Voilà, en 67, il y a eu des élections législatives très chaudes pour le pouvoir de Julien de Pope, puisque pour la première fois, ils étaient battus, c'est leur nombre de voix, depuis l'après-guerre. Et voilà, je veux revenir à votre question, mais je rappelle tout de même, là, pour prendre deux extrêmes, aujourd'hui, période où il y a, alors qu'on fait aux Français, à l'étranger, la réputation qu'il ne faut pas aller en France, qu'on est en grève dès l'arrivée à l'aéroport, etc. Il n'y a jamais eu si peu de grève dans notre pays depuis au moins une génération. Surtout si on compare justement à cette époque-là. Ce sont mes premières réflexions. Mais non, on en vient aux choses sérieuses. Je vais être clair, parce qu'il y a tellement de détours dans cette histoire qu'on a un devoir de clarté, en essayant de ne pas être trop simpliste non plus. Je soutiens à 150% ce mouvement de grève, qui déborde largement l'aspect sectoriel qu'il a par ailleurs, mais qui concerne surtout les intéressés et les grévistes. Mais lorsqu'ils disent que nous ne faisons pas seulement grève pour nous, mais tout de même aussi pour les usagers, pour la population, et même pour la notion de service public en général, c'est un peu la réponse du berger à la bergère, parce que du côté du gouvernement, là aussi, on veut faire de cette grève un exemple, on le sent bien, par la médiatisation, la diabolisation du gréviste, qui nous prennent en otage. Enfin, c'est extraordinaire ce vocabulaire, c'est quand même un grand crime, la prise d'otage, quoi. Je veux dire, c'est grave de traiter les gens de preneurs d'otages. Voyez, on banalise les expressions comme ça, ça me fait peur. Et qui nous prend en otage? Des privilégiés, des fonctionnaires à vie. Alors, ça, je suis un petit peu révulsé, pas seulement à l'égard de cette grève, mais d'une manière générale au niveau social, par le fait que maintenant tout le monde, pour arracher les quelques avantages qui restent, je ne parle pas de privilèges, vous allez voir pourquoi je fais attention au vocabulaire, c'est quand même mon métier, les quelques avantages qui restent à quelques secteurs du salariat, maintenant, on passe son temps à le confronter à plus pauvres, parce qu'on trouve toujours plus pauvres. J'ai vécu dans les pays les plus pauvres du monde. Alors, bien sûr, on peut toujours trouver un Bengali ou un Chadien, mais vous savez, on oppose le fonctionnaire, enfin, le titulaire qui a de l'emploi à vie à celui qui a de l'emploi précaire. Mais celui qui a l'emploi précaire, il doit être content. Ah, ben, c'est bien, au moins, on s'occupe de moi. Mais pas du tout, parce qu'il doit s'estimer comme un privilégié par rapport au chômeur qui n'a pas d'emploi du tout. Et le chômeur, et il faut qu'il fasse attention, c'est un privilégié, parce qu'il est en France et qu'il est bien, bien, soi-disant, bien couvert, etc. Bref, c'est quand même assez monstrueux comme raisonnement. Quelque part, le plus pauvre R est désigné encore comme un privilégié.
Je reviens sur cette notion de privilège, puisqu'on parle de la grève et que ce mot revient tout le temps, que la SNCF, c'est une espèce d'aristocratie ouvrière. Quand on voit la tête des gens qui sont interviewés, qui font la grève sur le terrain, vraiment, ça fait un petit peu rigoler. On a l'impression de voir des privilégiés, surtout quand on voit le look de ceux qui les accusent d'être tels dans les plateaux et les salons. Donc, je suis frappé par le fait que ce mot de privilège, c'est quand même un mot important dans notre histoire. C'est quand même pour l'abolition des privilèges qu'il y a eu la Révolution française. C'était le terme qui revenait tout le temps, l'abolition des privilèges. Donc les médiateurs, plutôt les médiatiseurs, ce qui n'est pas tout à fait pareil, et les communicateurs et autres Séguéla savent bien ce qu'ils font. Parce que privilège, en général, c'est de naissance. Il fallait naître noble pour être noble. Jusqu'à l'édit de la Paulette en 1610, où tout d'un coup on pouvait acheter une charge de noblesse. Ah tiens, tiens, maintenant on peut devenir noble. Mais il faut de la thune, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui. Voilà. Donc, privilège, c'est les mots graves. Or, de quoi on parle? D'acquis sociaux qui ont été obtenus de hautes luttes, historiquement. Il y a eu des morts dans ces histoires, dans les grandes grèves qui ont fait la France d'aujourd'hui. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des gens. D'ailleurs, aujourd'hui, les grévistes perdent une bonne partie de leur salaire à chaque jour de grève. Donc, voilà, je me révolte contre ce mot de privilège. J'aurais plein de choses à encore dire sur la grève, mais je présume qu'on n'a pas ce sujet-là, mais je marque un petit coup de colère devant ce vocabulaire honteusement infamant à l'égard de ceux qui, peut-être, sont en train de nous sauver la mise pour les années qui viennent, parce que sinon, on va tout droit dans le mur. Hein. Si on continue, on va devenir l'Espagne, et puis après, on va devenir la Grèce, et ainsi de suite. Hein. Je veux dire, si on commence à obéir à toutes les directives européennes. Voilà, très rapidement. Alors, je vais vous faire peur, hein, avec celui de l'Europe, parce que... pas tout à fait orthodoxe que je vais sortir, mais en même temps, les historiens le savent, mais ils le disent pas. Grosso modo, j'adore l'Europe. Je pense pas à l'Union Européenne quand je dis ça. Je dis ça déjà, Tchaïkovski, Kandinsky, pour changer d'art, ou Dostoïevski ne sont pas, à ma connaissance, des Asiatiques, des Africains ou des Américains. Sont censés être des Européens, mais déjà, on demande. J'ai interrogé un jeune là, il n'y a pas longtemps, il est tellement soumis à la propagande, le pauvre gosse, qui disait que la Russie n'était pas en Europe. Pour lui, l'Europe, c'est l'Union Européenne. Voilà, déjà, pour répondre à votre question, qu'on ne se trompe pas de cible, je combats l'Union Européenne parce que j'aime l'Europe. Première chose. Hein, parce que sinon, en général, quand vous commencez à critiquer l'Union Européenne, on dit que vous êtes hexagonal, replié sur votre hexagone, etc. Tout de même. Voilà. Je trouve même que c'est une insulte à l'Europe, à ses valeurs et à son histoire, l'Union européenne. Premièrement, ce que je vous dirais, je vais très vite, je vais essayer de rester politique. Sinon ça nous en irait trop loin. Puis il y a eu les élections européennes récemment, et vous avez bien vu que c'était un peu sur la défensive cette fois-ci, quand même un petit peu. Ils sentaient bien que la moutarde commence à monter, et puis pas seulement en France. Hein. Pendant longtemps, on a fait croire que les Français étaient les champions de l'anti-européisme, puis on s'aperçoit que les Anglais, les Danois, bref. Donc, il restait un argument, vous le connaissez comme moi, l'argument le plus consensuel des pro-européens, l'Europe c'est la paix, quand même. Vous êtes jeune, donc il faut prendre ça au sérieux, parce que la paix, la guerre, c'est ce qu'il y a de plus grave tout de même, quand même. Et donc c'est vrai que l'Europe a été en paix pendant toute la période, disons de 45, pour la première fois de son histoire, jusqu'à, je ne dis pas jusqu'à quand, vous allez voir pourquoi je vous réserve une petite surprise, jusqu'à une période récente, disons. Mais l'Europe de Bruxelles n'y est absolument pour rien. Si nous avons eu la paix pendant toute période-là, c'est parce qu'il y avait ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur, hein, ça traîne dans tous les journaux de l'époque, c'est parce que deux puissances extra-européennes, l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, se regardaient en chaîne de faïence en disant le premier qui bouge. Bon, évidemment, c'est ça qui a octroyer la paix, une période effectivement exceptionnelle de stabilité, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'économie, la prospérité, etc. La stabilité, ça va avec, vous voyez, les pauvres pays qui sont à feu et à sang actuellement, le temps qu'ils vont mettre pour se remettre de leur ravage. Donc, voilà. Donc, premier mensonge, l'Europe, c'est pas la paix. Je dirais même plus loin, l'Europe, c'est la guerre. Je vous dis que je vous surprendrai.
La preuve, c'est que dès que le mur de Berlin, enfin l'un des deux éléments, hein, je ne suis pas en train de faire la propagande pour les soviétiques, j'aurais été le premier fusillé sous Staline, parlant comme je parle, vous vous en doutez. Mais tout de même, dès que l'Union soviétique est tombée, la guerre est revenue en Europe. C'est les guerres de Yougoslavie. Voilà pourquoi j'ai dit de 1945, pas aujourd'hui, il y a eu la paix. Ça, c'est encore un mensonge. Il y a encore la guerre en Ukraine, actuellement. C'est pas très loin des Balkans. La guerre a recommencé dès que l'un des deux protagonistes de l'équilibre de la terreur a disparu. C'est quand même pas un hasard. Et je rappelle au passage que la guerre a commencé au départ, on l'oublie un petit peu, non pas à cause de la Bosnie en Yougoslavie, non pas à cause de la Bosnie ou de la Croatie, mais à cause de la Slovénie, dont on ne parle jamais. Pays le plus germanisé de l'ancienne Yougoslavie, c'est le plus au nord, c'est normal pour des raisons historiques, géographiques, c'est l'ancien empire d'Autriche-Hongrie. Qui avait pris le mark comme monnaie pratique pour circuler bien avant le reste de la Yougoslavie, et pays qui a été reconnu par la Bundesrepublik, par la République fédérale d'Allemagne, pour la première fois depuis 1945, un grand pays européen, l'Allemagne, reconnaît un changement de frontière dans un État souverain. C'est comme si la Corse demain devenait indépendante, et aussitôt l'Allemagne la reconnaît. Ça ferait bizarre dans les relations franco-allemandes. C'est ce qui s'est passé avec la Slovénie et qui a initié les guerres de Yougoslavie. Voilà, je ne suis pas en train de bouffer du Bosch, je crois que d'être un des hommes les plus germanophiles de culture qui est en France. Mais je rappelle au passage, et maintenant j'apprends votre question, pour ce que je prends de l'Europe et je finirai là-dessus, provisoirement, c'est que l'Europe, les institutions européennes qui sont à Bruxelles, qui ont leur siège à Bruxelles, ont été construites pour contourner un grand obstacle qu'ils ont rencontré en 1945. C'est qu'en 1945, il y avait à droite, ce qui est le plus puissant à droite, c'était les gaullistes, ce qui est le plus puissant à gauche, c'était les communistes. Là, je rappelle les choses qui sont dans tous les journaux. C'est-à-dire, deux forces qui donnaient des boutons aux Américains, premièrement. Il ne faut pas oublier, ce n'est quand même pas des hasards. Et pour contourner l'État, il a fallu s'y prendre par la société civile, pour parler en catégorie politique. Contourner par des fondations. Vous voyez comme vous sentez venir l'Europe d'aujourd'hui. Par des ONG. J'ai vécu dans le tiers-monde, vous savez, hein, la faune abjecte des ONG rapaces qui sont au service de l'OTAN, qui est tout en des enfers de l'humanitaire. Je respecte les braves gens qui sont sur le terrain, qui font des piqûres, hein, c'est pas eux que je vise, je parle de ceux qui les dirigent. Voilà, donc cette Europe-là a été construite pour permettre à l'Allemagne de faire une revanche. C'est dur ce que je dis, ça a l'air simpliste. Hein, il y a un terme très courant dans la politique des années 50, 60, encore un peu 70, et qui a disparu. C'est le terme de revanchard. Lorsqu'il y a eu le projet de communauté européenne de défense dans les années 50, où déjà on voulait réarmer l'Allemagne, c'était un prétexte à réarmer l'Allemagne, et pourquoi pas lui donner l'arme nucléaire? Ça faisait deux fois qu'au travers de l'Allemagne, l'Europe était ensanglantée, j'ai dit au travers, je ne sais pas porter le chapeau de l'Allemagne, les grandes puissances impérialistes peuvent se partager le bonbon. Mais on sortait à peine du conflit le plus sanglant de l'histoire humaine, et déjà on pensait à réarmer l'Allemagne. S'il n'y avait pas eu mise en échec de ce projet par les gaullistes à droite et les communistes à gauche. Et maintenant, on nous reparle de défendre. Ah, vous avez vu les Russes qui font en Ukraine? Il ne faut plus s'armer, hein? Ben oui. Vous voyez, ça recommence. Hein, la diabolisation de l'Est, du mauvais russe, qui est toujours le méchant de toute façon, qu'il soit tsariste, communiste ou poutinien, de toute façon, c'est le plus pauvre en Europe, donc c'est le méchant. Salaud pauvre. Voilà. Ce que je pense de l'Europe. Cette Europe-là.